Méditation du 25 septembre, la meilleure façon d'apprendre. Le cœur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Proverbe 16, verset 23. Raoul Rojas est né en 1955 à Mexico. Tout petit déjà, il aimait étudier les sciences. Il s'est formé en mathématiques à l'Institut Polytechnique de la capitale mexicaine. Par la suite, il a obtenu deux doctorats à l'Université libre de Berlin en Allemagne, l'un en économie et l'autre en informatique. Sa brillante carrière lui a permis de devenir membre de l'Académie des sciences du Mexique et d'obtenir la médaille d'or pour les sciences octroyée par la ville de Mexico. D'autre part, Rojas a été récompensé par différents prix internationaux comme l'European Software Award ou le prix Wolfgang von Knoppelen en histoire de l'informatique. En 2007, le professeur a présenté dans la capitale allemande la fameuse Esprit de Berlin, une voiture autonome complètement dirigée par ordinateur. Le minivan équipé de caméras et de capteurs pouvait soit avancer tout seul, soit s'adapter à une conduite conventionnel grâce à un bouton. Rojas n'a pas tardé à créer une nouvelle technologie, la conduite d'un véhicule par iPhone. Dans 20 ans, affirme l'académicien, nous aurons un système opérationnel qui pourra transformer la voiture en une plateforme autonome. Le futur de l'automobile, ce seront des taxis intelligents qui circuleront dans les villes sans conducteur. El País, 29 novembre 2014. Le 23 mars 2015, Raoul Rojas a été décoré professeur de l'année par l'Union Université d'Allemagne. Selon cette institution, Rojas est brillant non seulement pour ses recherches en sciences, mais aussi comme enseignant de cette discipline. Le professeur affirme que sa philosophie a toujours été que les étudiants apprennent mieux en travaillant en équipe. Ils apprennent les uns des autres et le professeur est une sorte de catalyseur. Enseigner est l'une des grandes méthodes d'apprentissage. En effet, si tu veux apprendre quelque chose correctement, tu dois savoir l'enseigner aux autres. Transmettre ce que tu sais te permet de perpétuer le cycle de la connaissance. Comprendre, expliquer, enseigner, appliquer. C'est pourquoi les grands savants sont de brillants professeurs. Il ne suffit pas de comprendre le cours et de le prouver en réussissant un examen. Si tu veux apprendre plus, tu dois faire en sorte que les autres comprennent ce que tu sais, pour ensuite appliquer ces connaissances à la vie pratique. Toi aussi, tu peux être un grand récepteur et un grand transmetteur de savoir entre les mains de Dieu. Demande-lui aujourd'hui de t'aider à faire les efforts nécessaires pour améliorer ta façon d'approcher le monde du savoir. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.